Le salaire capitaliste, c'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche validée comme productive. Je suis posé comme un être de besoin. J'ai des besoins pour faire la tâche qui va mettre en valeur du capital. C'est ça le salaire. Et la forme la plus classique du salaire, c'est le revenu des travailleurs indépendants. Le salaire capitaliste, sa forme la plus classique, c'est le revenu des travailleurs indépendants. C'est pour ça qu'il y a une telle pression pour l'auto-entrepreneuriat, pour la Startup Nation et autres trucs plus ou moins à la mode, mais qui veut restaurer la mise au travail capitaliste, c'est-à-dire sous la forme de l'indépendance. Si vous prenez un agriculteur FNSEA, on va dire, qui fait de l'agriculture conventionnelle, c'est le travailleur type dans le capitalisme. À 30 ans, il a 300 000 euros de dette ou davantage. Il fait du poulet industriel, donc il dépend entièrement du prêteur. Il dépend entièrement du fournisseur d'intrants, de bailleurs et autres. Et il dépend entièrement de la centrale d'achat de Leclerc, de son acheteur. Et ces trois groupes capitalistes, le prêteur, le fournisseur et l'acheteur, à travers les prix qu'il lui impose ou les intérêts qu'il lui impose, récupère l'essentiel de la valeur qu'il produit. Lui-même n'ayant aucune maîtrise de son travail, aucune. Il est travailleur indépendant, mais il n'a aucune maîtrise de son travail. Et il a des outils irréparables qui font qu'il est totalement dépendant de son fournisseur d'outils, etc., etc. Bien. Ce que laisse à cet agriculteur le Crédit Agricole, bailleur et la centrale d'achat de Leclerc, ce qu'il lui laisse, ou Lactalis s'il fait du lait, ce qu'il lui laisse, c'est de quoi satisfaire ses besoins pour être encore au boulot demain, pour produire la valeur qui va pouvoir être piquée par ces trois groupes. C'est ça, un travailleur dans le capitalisme. C'est quelqu'un dont les besoins nécessaires à la production de telle activité, validée comme productive pour le capital, sont reconnus.